Bonjour à tous, aujourd'hui on est reparti pour la suite du Let's Play sur Hegemony Gold. Donc oui, il est vrai qu'il y a moins de vidéos cette semaine, ces deux dernières semaines, hein, mais je m'excuse, ma connexion internet a été coupée le temps que je change de fournisseur. Donc j'ai seulement pu mettre en ligne la vidéo d'XCOM hein, que je vous invite à regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et donc cette vidéo sera mise en ligne hein, au moment où j'aurai retrouvé ma connexion. Et là je remettrai au moins 3 vidéos par semaine logiquement sur la chaîne YouTube. Hein. Je vous remercie encore hein, d'être abonné, de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, quel va être l'objectif de ma vidéo? Alors, dans la dernière vidéo, on avait capturé, fini la campagne en Péonie. Réussi à capturer toutes les cités, toutes les mines. Et donc, plusieurs objectifs s'ouvrent à nous. Donc, l'Illyrie, toute cette partie ouest est illyrienne. Avec ici, plusieurs cités. Timfea qui est une cité macédonienne. Pélion qui n'est pas une cité macédonienne. Ici, il y a une ou deux cités qui deviendront macédoniennes après réalisation de certains objectifs. Donc, à voir. Sachant que aller vers cette frontière m'ouvre, me donne accès à de nouveaux ennemis. Qui dit nouveaux ennemis, des nouveaux fronts. Donc je vais voir. Au nord, bah, l'Illyrie, là je le laisse tomber, la Dardanie. J'ai pas envie de me prendre cette capitale là, qui est la capitale de l'Illyrie. Donc je vais voir. La Péonie, donc il reste une cité péonienne qui se trouve par là. C'est pour ça que la faction est toujours présente. J'ai les Audrises, les Agréniens, voilà. Elle est ici, la cité, je crois. Bon, j'ai cette région qui appartient aux Audrises occidentaux, avec Emphasis, qui est une de mes cités, normalement, comme la Ligue Calsadienne, Barbaros. Donc, pour le moment, je vais garder cette ligne facile à protéger, avec deux guets. Que je peux protéger facilement contre tout raid ici. En plus j'ai un fort qui protège contre la route. L'accès est nord, donc je vais garder, pas attaquer tout de suite. Et il me reste cette région, et j'ai envie pour cette vidéo de me faire du l'Athénien. Alors j'ai décidé que je vais attaquer Méton et Pinna, capturer ces deux cités. Normalement en capturant Méton je devrais gagner qu'est-ce que je devrais gagner? Un des savants pour faire les trirermes. Il en faut deux. Une que je capture normalement à Méton et une à une cité calcédienne. Holosson, je pourrais capturer aussi. Elle me donnerait accès aux catapultes. Bon, je vais pas trop m'en occuper. Donc, par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas d'objectif pour Pinna et. Et ici, donc, dans l'ombre du mont Olympe, elle est où celle-ci? Pourquoi elle n'est pas débloquée? Ensuite, on se trouve. Objectif réclamé de Dion et réclame. Supprimer la menace athénienne de Méton ou Pinna. Plus objectif serait-il non découvert? Je comprends pas. J'ai capturé pourtant l'une des deux cités. Comment faire la menace athénienne? Supprimer la menace. Ouais, normalement, je devrais avoir accès. Bon. Alors. Comment ça va se passer? Ici, je vais ramener une cavalerie, une unité d'archers. Celle-ci a plus beaucoup de blé. Là, je vais la ramener ici. Là. Tac, tac. Donc là, je suis en train d'envoyer mes esclaves dans les mines. Ici, j'ai quoi? J'arrive à trouver donc. Ah, Philippe il est où? Il est ici. Non. Je me suis trompé. Ah, il a capturé les mines. Non, bah, Philippe, je vais l'envoyer ici. Toi. Les hypaspistes. Hypaspistes ici. Ici. Donc là, je capture des esclaves. Donc là, il y en a 4. Ils vont arriver à s'échapper. Si... Bon, c'est pas grave. Je les ai oubliés. J'arrive pas à les trouver. Voilà.
Bon, ils sont échappés. Bon, j'ai gagné ces esclaves. Donc, cette cavalerie aussi va aller là. Je vais les mettre ici. Et la brigade DRDA. Est-ce que je la laisse par là? Parce que là, j'ai quoi comme unité de... Ouais, je vais la laisser à Pelégonia avec unité de cavalerie. Ok. Oh. Pourquoi ils veulent pas venir? Ah ouais. Oh. Chemin introuvable. Bon, tu vas venir ici, hein, tu vas le trouver le chemin. Voilà. Donc, ces esclaves, où vais-je les envoyer? Là j'en ai 30, là j'en ai combien? 6. Bon, ils vont aller ici. Hop. La mine là vient d'être est à moi. Donc les esclaves qui sont ici. Les ouvriers. Et vous, mercenaires de Stobby, je vais vous mettre à Bilazora parce que j'ai pas de troupes. Là j'ai un besoin pressant de nourriture. Je vais envoyer ça aussi. Ici. Oh, il y a un problème à cause de ce bâtiment. Voilà, je suis sûr que là j'aurais pas de... Oh! Bon, il y a un petit bug, j'ai l'impression. Bon, voilà. Il reste beaucoup. Ouais, j'ai de quoi faire. Strobsko a commencé à se rebeller. Comment ça se fait? J'ai pourtant une unité de phalange. Hostilité de la faction. Ouais, force de la garnison. 4... Ah, ok, il n'y a plus de nourriture, ça aide pas. Hop, tu vas venir ici. Voilà. On va mettre. Voilà, là, si j'enlève les cavaliers. Normalement, elle devrait pas se rebeller, la cité. Bon, j'ai une invasion quelque part. Alors, les cavaliers. Je comprends pas pourquoi mes lanciers. Mes phalangistes ne sont pas pris en compte. Les cavaliers prennent son prix. Ah oui, parce qu'il y a de la nourriture, oui, c'est tout simple. Donc là, j'ai vu une force d'invasion. Bon, voilà, le royaume occidental, Audriz, qui a décidé de venir m'attaquer avec des javeliniers. Donc, on va faire tac-tac. Pas proposé, sort faire. Je pourrais faire. Punaise. Ça me. Toujours laisser une armée en position dans les cités, même quand juste pour défendre, parce que tout de suite elles peuvent se rebeller. Donc là, j'ai juste là, Peonia, voilà. Donc là, ben, vous allez charger, les amis. Allez, on charge. En espérant que j'ai très vite une cavalerie. J'ai besoin rapidement d'armée ici. Le problème, c'est que... Ah, mince. Je veux pas qu'ils prennent de nourriture. Comment faire? Ah, c'est automatique en plus, mince. J'ai combien? 8 soldats. Bon, pour le moment, celle-ci résiste. Là, je suis en train de voir. Qu'est-ce que c'est que je pourrais envoyer? Toi, tu abandonnes tout de suite. En pas de course, tu vas attaquer, tu vas m'aider à défendre. Donc là, j'ai déjà une unité ennemie repoussée. Je vais mettre en un peu une vue un peu meilleure. Donc voilà. La deuxième qui devrait être ici. Bon là, j'ai l'impression que ça va devrait aller. Vous soutiens ici. Oh, ça me fait plein d'esclaves. Ah, ça c'est mon unité qui se replie. Ah, surveille, tout en Peyouni, c'est bon. Bon, là, encore une cité qui arrive. Agrianès, cavalerie d'Agrianès. Elle est où celle-ci?
Donc ça c'est la Peonie. Ah, voir s'il faudrait quand même pas que je les termine, parce que là ils ont décidé de m'embêter, surtout que j'ai pas de nourriture. Aïe aïe aïe. Pourquoi elle donne pas de. Ah bah si je le lis pas la cité. Je l'ai oublié. On va les laisser s'approcher un peu la cavalerie. Donc là normalement. Ici ça devrait être bon. Voilà. J'ai besoin d'esclaves, donc on va y aller. Des archers, les archers. J'ai besoin de troupes dans la cité. On attaque le galop. J'aurais peut-être dû essayer de terminer la Peonie. Je pensais pas avoir accès rapidement. Non. Allez. Voilà, donc là, c'est bon. Donc la cavalerie, je vais la ramener d'urgence au nord. Parce qu'elle a de la nourriture. Avec mes phalanges. Donc j'en ai perdu beaucoup. Aux captures. Ah, donc là, les cavaliers sont un peu pris au piège dans ce boulot. Alors, au Plitilirien, col du loup. C'est bon. C'est bon. Vite dit, vite dit. Bien sûr, ils attaquent là où mon omplite n'est pas présent. Tac. Au galop. Quoi? Au pas de course. Tac, tac, tac. Là on sort. Une cavalerie qui arrive aussi là. Réclium. J'essaie aussi de récupérer cette cité qui m'appartient normalement, qui est macédonienne. Les phalanges qui ont gagné de l'expérience tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais augmenter? Donc ça va être l'initiative que je vais améliorer. On capture. Cela, là j'en ai quand même 11, c'est intéressant. Donc là, c'est bon, je suis en train d'exploser cette unité. Donc, je l'ai eu. Il va falloir que je refasse un stock de nourriture à Stropsko, parce que là, ça devient affreux. Si je vais réussir à 18, et là, ça fait 18. Donc ça fait ben là où j'ai personne. Le problème que je vais avoir, c'est que là par exemple, ça va être un manque de recrues énorme. Parce que là je suis déjà à 24 sur 61. C'est MSIA. Et quel est le stock de recrues? 9. Ok. Ouais. Ici, est-ce que j'ai des recrues? J'ai 12. Pella 0. Almopi 11. 1. Alors maintenant, ça va être me défendre contre cette attaque. Allez, on se remet. Tac. Donc les hoplites sont en premier. Tac, on va se déplacer. C'est pas ça que je veux faire, mais bon. Voilà, comme ça. Vous allez vous mettre ici. Allez, on y va. Attaquons, attaquons. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles font au front? Recule. Voilà. Et on attaque sur le flanc de cette unité de Peltast. Bon, là, mes lanciers, c'est logique. Ils perdent. On surveille que j'ai pas d'autre attaque ailleurs. Stropsko, je sais, je suis en manque de nourriture. Une unité de cavalerie. Ouais, ça c'est ça que je vais faire. Là j'ai combien? 10 unités d'esclaves. Allez, on capture. Chut, on revient sur le bataille. Donc là la bataille normalement. Allez, allez. Voilà la cavalerie.
J'ai capturé logiquement les esclaves ici. Tac, donc les 10, on les envoie là. Et cette unité, on l'envoie ici. Donc, à force que je stocke énormément de nourriture. Ah bah c'est parfait, les moutons, ils arrivent dans pas longtemps. J'avais oublié que j'avais envoyé des moutons. 147% de construction, c'est pas mal ça. Hop. Voilà. Bon là j'ai gagné. Logiquement, tout se passe bien. J'aurais gagné. Bon, sauf que ma cavalerie est bien sûr toujours aussi peu efficace. Cette cavalerie de scout, elle sert qu'à scouter. Hein. Je vous le dis, hein, en mode expert, elle ne sert à rien. Pour temporiser le temps que votre force d'attaque arrive. Donc là, moi, est-ce que j'ai donc une cavalerie tribale qui est arrivée? Philippe, il a un gros manque de nourriture, de troupes. Donc là, j'ai mes hippaspistes. J'ai du mal avec ce terme. Ils n'ont pas choisi des termes faciles à l'époque. Donc là, j'aurai une cavalerie lancier d'élite, une cavalerie. Et là, j'ai quoi? J'ai rien pour protéger la cité, ça devrait être vite capturé. J'ai en soutien des lanciers. Est-ce que je ramène des archers? Le problème c'est que là, Astobi, j'ai plus de recrues. Ici non plus. Là, j'ai quand même pas mal de monde. À Bariala. Et l'autre c'est Astobi. Bariala. Hop. Le problème c'est que j'ai... Si je fais partir des troupes maintenant, elles vont avoir besoin de nourriture. Là, je vais laisser parce que c'est une possible attaque importante dans le coin. Donc, il faut que je me défende. Là aussi, vous avez pu voir. Pour le moment, ici, ça m'a l'air calme. Donc, je vais voir. Et toi, ben, tu vas rester dans cette cité. Ici, pour... donc là, c'est beaucoup plus calme. Mais bon, là, j'arrive pas du tout à créer de recrues. Enfin, je reçois pas, c'est surtout ça. Le nombre de recrues par semaine par rapport à... J'ai augmenté son moral de cette unité, si j'en ai marre qu'elle fuit. Upset, logistique, initiative pour les phalangistes. Voilà. Ok, on va attendre un petit peu. Donc là, j'ai des moutons au cas où en réserve. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien de temps je vais récupérer... des recrues pour cette cavalerie. Ouais, on va se remettre au centre de vote. Si je l'envoie à Pella, ce serait peut-être pas mieux. Comme ça, je les ai directement, il n'y a pas tant d'attente. Au pas de course. J'ai utilisé une unité d'archer, allez. Normalement, elle ne prend pas beaucoup de nourriture. Pour aller me scouter un peu le nord. De toute façon, je vais avoir des moutons, donc ça va augmenter de 300 le stock de nourriture. Voilà, j'aurai pas trop de problèmes comme ça. Voilà, donc lui, tu retournes ici, parce que tu me sers à rien en extérieur. Donc là, il y a encore des mines. Donc là, j'avais dit, il me reste un chemin. Stobby, c'est plein. Ah, c'est plein. Où vais-je mettre cette mine? Là est la question. Punaise. J'ai nulle part à où mettre, il n'y a pas un seul fort pour le lier. Oh, ouch. Là, je suis plein. Voilà, je peux mettre nulle part cette mine. J'ai à louper quelque part. Donc là, j'ai quoi, Pelagonia? J'ai une deux fermes, Esteline. Je vais la garder pour plus tard. Je sais que j'ai une mine. Il faut que je m'en rappelle, c'est tout. Ça va dépendre de si j'ai une cité ici. Il me reste... Oh, j'ai de quoi augmenter... J'ai augmenté, j'ai un peu d'or en plus, j'ai augmenté le ravitaillement entre ces cités, voilà, là aussi, surtout là, qui la ligne de ravitaillement importante pour amener de la nourriture de Stobby, de domaine à Stobby, et les recrues surtout, mais la nourriture, voilà.
J'utilise pas mal d'or pour ça, au cas où j'annulerai certaines améliorations. Le petit arbre indique que l'unité est protégée via embuscade. Oui, sauf que... Objectif, les Agriana. Les confins occidentaux des Balkans. Ouais, sauf que là... Voilà, Cerdoy. Tribal et les last cités péoniennes qui m'intéressent beaucoup. Le problème c'est qu'elle est un peu isolée à les capturer et après j'ai un... Vous pouvez voir ici, le passage est là. Et il y a quand même pas mal de chemins à protéger entre les Odrises au sud et les Balkans du nord occidentaux, les confins occidentaux des Balkans, je crois que c'est... Les unités sont assez puissantes en plus, donc si je pouvais éviter. Donc préparer la campagne, si je veux faire les Agriana. Vous voyez une lettre là, vous demandant de l'aide. En échange de son allégeance, amenez Philippe. Il suffit que j'amène Philippe pour que la cité devienne mienne. Alors faut pas que j'envoie une autre armée, parce que sinon ils attaquent. Ils vont se défendre, alors que Philippe, ils se défendront pas. Et requis pour gagner le scénario actuel, amener Philippe, deviendra vôtre, ne se révoltera jamais. Donc ça fera une cité puissante avec deux mines de ferme ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre objectif? Battre la cavalerie des tribus des Balkans 10 ou capturer toutes les cités de la tribu des Balkans. Pouf! Donc ça en fait beaucoup parce que la tribu des Balkans, c'est toute cette région-là. Ouais, c'est toute cette région-là. Là, c'est le Danube, c'est jusque là au nord, c'est toute cette région-là, ça en fait quand même assez à conquérir. Et ça, c'est un objectif qui va se débloquer, l'entourage du roi, voilà. En finissant cet objectif, j'aurai celui-ci qui va se débloquer. Bon. Et l'autre objectif que j'ai débloqué, les Metella, capturer et tenir Metella. Pareil avec Serdica. Cerdoy, donc Cerdoy qui est juste là, donc vous avez pu voir. Oui, c'est long. Bon, je me suis loupé. Bon, je sais pas, il y avait un petit bug. Voilà. Ah, donc il est par là, les Balkans. Ouais, elle sera ici. Metella, elle est où? Ah, là, zoom arrière, zoom avant, petit défaut, ce serait plus vite, elle serait par là. Il y a, oh, il y aurait donc 4 cités hein, normalement des Balkans. Donc ce sera. Je vais faire donc prendre ici ce petit bout de terre athénienne. Je vais les conquérir et après je retournerai ici. Et en dernièrement, j'irai faire les objectifs de la campagne des Balkans et Grianès. Qui sera un gros morceau hein, parce qu'il y a 4 cités un peu isolées à conquérir. Mais une fois que ce sera fait, ça va faire un gros morceau. Donc ici, ici, deux grosses régions là, plus celle-ci en plus. Donc là, on va enlever la pause. Moi, c'est le problème, c'est que j'aimerais bien que les recrues de Philippe reviennent rapidement au nombre de recrues. Parce que là, c'est consommation, ligne, et là, un par semaine le recrutement. Hein, donc. Est-ce qu'on peut bloquer? On peut pas bloquer le ravitaillement d'une unité. On va la mettre. Pourtant, normalement. Voilà, je devrais avoir. Ça devrait permettre de recevoir des unités sans avoir une chaîne de ligne. Ouais. Il faut quand même que la cité d'origine. Ça va être simple. Est-ce que je peux changer la cité d'origine? Non. Est-ce qu'il faut que je fasse les deux unités? Est-ce que je pourrais changer la cité d'origine de Philippe? Il me faut Almopi par exemple. C'est ce que je vais faire, je crois. Je passe pas que je vais regarder. Pourquoi? Parce que là, il y a des recrues. Tout simplement. Bientôt l'hiver qui va arriver. Donc les moutons, plein de réserves de moutons qui vont arriver. Je vais quand même continuer à scouter avec l'unité d'archer. Voir ce qu'il y a ici. Oula, non, tu reviens au galop. Parce que là. Courir. Parce que là, il y a quoi comme. Oulalalalalalala. Ah ouais, ils font pas semblant, les Illyriens. Pouf. Comment là.
histoire que tu reviennes vite. Toi aussi. Et ils font pas du tout semblant. Toi, tu vas me servir à rien. Au galop. T'arrives en bloc en plus. J'ai une seule unité d'oplite. Ça va faire mal. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est Trirerm. On va coster là. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Non, je sais pas. Bon. Hop, par contre là, je vais avoir pas mal de problèmes. Non, je vais laisser les moutons à l'intérieur. Tac. Voilà. Aïe aïe aïe. Celle-ci, je l'avais. Je vous ai. Ah oui, mais courez, courez. La rébellion a été supprimée. Tiens, faut que je corrige. J'ai majuscule en grand là. Qu'est-ce qu'ils vont m'attaquer? Ouais, ce serait possible. Les Athéniens. En cours. Courir. Donc tu as l'unité de cavalerie au galop ici, toi. Ouais. Comment ça se fait que là j'ai plus d'or d'un coup? Ni d'Ardani. Ouais. Ah ouais, il coupe l'accès au... Les archers sont où? Ah, ils ont pris la nourriture, j'ai encore je me suis loupé. Donc là, je risque de perdre la cité, je pense. Ça va être dur, hein. Je vous le dis. Donc là, les unités d'Oplite, ok, est-ce que j'ai des attaques ailleurs? Non. Ah, c'est pas bon. Et elles qui se sont arrêtées. Allez, allez. Petite unité, Stropsko qui se rebelle. Attaque de flanc. Le problème c'est que mes unités elles commencent à se réduire fortement l'armée et là qu'est-ce que je pourrais avoir comme troupe? Non, j'ai plus d'or à cause du problème de l'armée qui fait blocus. Aïe 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 aïe, si je m'en sors là. Non bah, je vais pas m'en sortir. Il reste pas, il reste beaucoup d'unités. Elles sont pas si puissantes que ça avec moi, ces unités. Donc, on replie. Là, j'ai quand même pas mal tué l'ennemi. Je vais faire un peu de hit and run. Je vais courir, attaquer, courir. Éviter à tout prix le contact. Voilà, j'ai les Peltasts qui fuient. Cette unité. L'hiver arrive. C'est chaud, chaud. En plus, j'ai aucune armée ici. Alors, où est-ce la cavalerie que je pourrais. Elle va être là. J'en ai une ici, ok. Une qui est en train de se reformer. Ah, j'ai oublié, j'aurais pu ramener. Bon.
Toi, tu vas revenir au galop là. Donc, par contre, c'est où est-ce que mon unité de lancier a été rapatriée? Ici, ok. Edes. Donc, normalement, j'ai un général qui doit être actuellement sans. Antigone 5332. J'ai un général quelque part. Voilà, c'est lui, Antipater. Ouais, bon. Allez, je reprends mon travail avec mes archers. On recule. Allez, allez, non, 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 pas de contact. Oh, bah, y a une unité qui fuit. Grosse armée d'hoplites quand même. Non, on fuit. Et là ils vont faire je sais plus beaucoup de trop punaise. Excusez-moi, je suis concentré sur la cette phase, mais je me suis fait bien avoir par la Dardanie. Vous pouvez le voir, hein, plus on étend le front, plus les armées qui nous attaquent sont puissantes. Donc là, je vais perdre le moral de cette unité. Ouais. Tac. C'est bizarre ça. Pas d'archer là, si j'ai ces archers ici et là. Que toi t'étais reformé. Donc elle va où elle, elle a essayé de s'enfuir ici. Il y a quand même quelque chose que je voulais voir. Alors avant que j'ai de nouveau ce contingent prêt à la bataille. Alors est-ce qu'ils vont capturer ma cité qui est au bord de d'exploser? Ouh, ils vont rentrer chez eux. Ouais. Saint-Tiqué. Où est-ce? Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ils m'attaquent de partout. Donc là, c'est que des lanciers. Donc. On n'a pas de problème. Le problème, c'est que j'ai ce problème d'or là qui m'embête. Je me demande si, pour le moment, je devrais pas laisser Stropsko. Il faut vite que j'envoie des troupes, parce que pour éviter au cas où que la cité se rebelle. Philippe, il en est à combien de soldats? Là, j'ai complètement... Donc là, il en est à 11, toujours. Changer de cité d'origine. Voilà, donc les compagnons, au moins... sont juste là, et donc là je devrais avoir tout de suite ma cavalerie au complet. Qu'est-ce qu'ils font alors? Mettre le feu. Ouais, bah non. Alors on va aller attaquer ici. Oh là là, mes unités qui perdent le moral. Et elle, au lieu d'attaquer là, non. Non, non. La phalange. Aïe, aïe, aïe. Cette vidéo se passe pas très, très bien. Donc là, j'ai quoi? Deux unités qui m'attaquent. Ok. Donc on va augmenter ça. Je n'ai même pas de quoi me défendre. Ah, si j'ai ça. Donc. Vous allez m'attaquer ça. Vous allez venir ici. La Péonie n'aura pas été une bonne idée de conquête. Hein. Je suis à découvert contre plein
d'attaque. Donc en plus je perds ses lanciers. Grosse erreur. Donc là, donc il me pille plus, tout simplement les ennemis là, les Illyriens, ils veulent juste me piller. Le problème c'est que bon, toute mon armée est ici. Zora, voilà donc Emessia qui va falloir le temps de refaire l'armée. Donc là Philippe, il va essayer de venir à la rescousse ici au plus vite. J'ai capturé ses esclaves ici, j'ai donc plus grand chose pour me protéger. Aïe aïe aïe, ils peuvent pas me laisser tranquille ceux-là. C'était bien moi, je les ai pas embêtés les Illyriens en plus. Là, il n'y a pas grand monde. Alors, allez. Allez, me faire un lancer de trait. Brigade de lanciers, voilà. Donc, les lanciers qui se sont fait laminer par deux unités de... Ouais, pourquoi pas. Ils sont... Il y a deux peltastes. Les lanciers se font exploser. C'est... pas terrible comme partie hein. Là j'ai combien, 28. Vous allez là, toi est-ce que tu arrives à aller? Aïe aïe aïe, quelle vidéo. Oh Dion, non. Et j'ai loupé Dion et... ça a été capturé. Mes moutons. C'est quoi comme cavalerie? 6 unités de cavalerie qui ont réussi à me capturer et des peltastes. Ok. D'accord, ils veulent jouer à ça. Bah bravo. Oh, même pas... pas de course, ils veulent capturer le temple, ensuite la mine. Là, la cavalerie, bon, il faut qu'ils évitent de mettre le feu. Donc là, bah, il reste plus grand chose. Plus bon, ils sont trop petits, mes archers. Alors, par contre, là, j'ai pas apprécié du tout qu'ils me capturent Dion, comme ça, en traître. Là, je vais les exterminer, eux. Là, elle est toujours pas révoltée. Voilà, donc là, j'ai plus d'ennemis ici. Donc là, c'est bon. Donc ils vont capturer cette mine. Ok, d'accord. Philippe, au galop ici. Toi, tu vas me faire ça. Pelagonia, donc protégée juste par des lanciers. Dion, je veux dire, et je vais recapturer tout de suite. Pas me laisser. Tyran de fer, là, qui me... Donc là, ils sont en train... J'ai perdu une mine. Stropsko s'est rejoint les Péoniens. Donc, j'ai perdu Stropsko. Aïe. Ce qui me fait plusieurs mines. Enfin, vite que je la recapture, hein, la cité, j'ai pas le choix. Parce que là, j'ai un manque d'or. Un très très important. Donc voilà, donc là je recapture, tac et tac, donc voilà, ou deux à l'intérieur, ça me permet un peu de gagner de l'or, mais bon, Dion capturé, saison du... Team Fea. Allez, hein, pour changer, cette fois c'est ici. Là, j'ai pas de troupes. Aïe, je crains. J'ai de plus en plus l'impression que c'est mal parti. Ça va pas être une réussite. C'était bien parti la vidéo, le let's play, mais j'ai. C'est de pire en pire. J'arrive pas à résister à tous les... sur tous les fronts. Donc là, mes archers qui vont.
Voilà. Et là, tout de suite, bah, lui, il a refait des cavaleries. Est-ce que je peux capturer avec ça rapidement? Allez, vite. Il faut que je capture. J'en ai besoin. En plus, il va m'attaquer mon champ. Mes lanciers là. Vous, pas de course. Donc, toi, tu décides de m'attaquer ici. Pourquoi pas? Donc là, j'ai pas d'or, mais bon, je peux aller. On va aller là. Et ici, j'ai peut-être de quoi. Pourquoi pas? Laissez-moi tranquille, vous. Je vais capturer. Ah, bah, c'est bon, je l'ai capturé. Ok. Alors, on repart. Tac. Tac. Ok, elle est en train de brûler. C'est pour ça. Donc là, pour éviter qu'elle se rebelle, on va rester comme ça pour le moment. Cavalerie à reconnaissance d'Infer a été vaincue. C'est bon. Donc là, mes lanciers ont vaincu. Par contre, ils vont se faire laminer par les Peltas. Vite, on rentre à la maison. Là, j'ai combien de soldats? 14. Voilà, je suis revenu en positif. Bon, par contre, c'est ça maintenant. Il faut que j'arrive à battre ces lanciers. J'ai encore peur, donc ça va être rapide. Philippe est puissant. Les compagnons de Philippe sont puissants. Donc là, ok, bon, toi t'es venu pour rien. Je te ramène ici. Vous deux, là. Toi, bon, t'es pas encore bon. Hop. Donc là, pas pourquoi ils m'attaquent eux. Plus ici, ils se prennent des attaques depuis le fort. Donc, Illyrien Dardani a fui. Voilà. Et ben, puisque c'est comme ça, vous allez devenir mes esclaves. Toi, tu vas m'éteindre ça. Toi, tu, Philippe, tu vas me capturer. Philippe, je vais peut-être obligé de le laisser ici alors. Hein. Sa puissance est une aide précieuse. Voilà. Donc là, normalement, je vais être une ravage. Je vais les détruire totalement. Donc là, il faut que je recapture cette mine. 11. Donc là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, j'en suis à 28. Donc vous, bah, ici. Ça aurait été compliqué. Athénien, on capture. Eh ben, je vous dis pas, cette vidéo aura été très très tendue. Il sera pas passé grand chose, j'aurais plutôt résisté qu'autre chose. J'ai perdu ça. Alors, normalement, je devrais pas avoir les moutons. Ils devraient pas tarder à apparaître. Normalement, c'est courant de l'hiver. Pour que je surveille ça. Si avec les moutons, j'aurai au moins la nourriture. J'ai perdu pas mal de petits tours. Bon. La vision, je l'ai perdue. J'ai reperdu cette mine. Voilà, donc. Philippe, tu vas rentrer ici. Pendant que toi aussi. Bon, Philippe, je vais le laisser là. Qu'en est-il de mes unités? Toi, tu es un petit moment encore. Parménion, bientôt. Mais toi, allez, tu vas revenir là. Je vais avoir un problème de recrue. Parménion est rétabli, ok. Donc là, 18 esclaves. Qui vont aller là. Voilà. Et toi, tu vas venir ici. Donc là, il va falloir que je fasse quand même une petite troupe de lanciers pour me protéger.
Ah, les hoplites. Voilà. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'hoplites, il y avait juste une pelletaste ici. Des hoplites ont été faits. Ah, m'étonne. Merci. Les autres, les Péoniens. Non, mais surtout les Illyriens. C'est surtout l'Illyrien qui m'a fait. Qui m'a fait louper mon attaque prévue. Donc, j'ai profité de l'hiver pour refaire des forces. Donc, je vais. Je suis désolé hein, pour cette vidéo qui aurait été plus. Qui a plus été une vidéo de. De résil de survie. Voilà. C'était pour éviter que cette esclaves se rebellent. Ici, j'ai pas été embêté, mais je veux pas dégarnir le front, car il suffit que j'envoie. Et encore, je pourrais le faire là. Ce que je vais faire, parce qu'il me faut faire une ligne. Oh non, j'aime pas par où tu passes. J'ai envoyé là. Ici, j'ai quoi me protéger pour le moment. Pour le moment, il m'attaque pas par ici. Ici, pourquoi? Pourquoi? Aucun. J'ai 72 sur 20. Il peut pas se rebeller là. Ah, c'est le champ, c'est bon. J'ai eu peur. Donc bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour aujourd'hui. Et la prochaine, promis, je m'attaque à Méthone. Épina. Alors je vais juste voir vite fait avant de quitter les défenses de Pinna. Lichnos qui m'attaque. Juste deux. C'est juste ça. Ok, c'est pas gênant. Je vais voir moi les défenses de Pinna. Quoi, les troupes surtout. Cavalerie, 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 c'est très faible. Et 4 unités de trirer. Ok. Alors, on va retourner à la maison. Ici. Donc là, j'ai rien. Et ma taille de nouveau. Dans un sens, c'est eux les plus virulents qui m'attaquent le plus dans ce jeu pour le moment. Allez. Ouais. Pina, c'est quoi ça? Oui. Donc il y a quand même une petite hoplite à Pina, ok. Ok, des hoplites, beaucoup de cavalerie. Et toi, allez. Elle s'enfuit ou pas? Voilà, donc là, Pélagonia, j'ai pas de quoi te faire des troupes. Héraclea non plus. Là, ça va pas avoir non plus. Ici, bah, j'ai rien. Je vais faire augmenter l'héroïsme. Alors, bon, bah voilà. Hein, donc là, je vais juste finir la poursuite. Voilà, donc normalement, ici, je devrais pas avoir de problème. Toi, tu vas rentrer. Bon, vidéo, donc. Peu intéressant dans le sens où j'ai eu beaucoup d'ennemis à me protéger, mais je prévois d'attaquer. Donc, prochaine vidéo, je m'occupe de cette petite pointe athénienne. Ces deux cités seront miennes, promis. Surtout que là, je viens avoir des moutons ici. Donc, il y a des moutons là, ici. Donc, logiquement, je dois en avoir aussi là. Là, où est-ce que je vais avoir des moutons? Là, logiquement aussi, c'est marrant, c'est pas apparu. Elles sont pas toutes apparues, c'est marrant ça. Là, j'ai même plus de recrues dans cette cité. Ah, j'ai mis la gestion des recrues est complexe. Pourquoi là, j'ai pas les moutons? Alors, c'est aléatoire, possible, hein. Entre les saisons, selon à certains endroits, ça va apparaître ou pas. Paf, et ces moutons, je les enverrai donc ici. Oh non, là c'est bon, j'ai l'air d'avoir du stock de nourriture. Là c'est bon, voilà, j'ai Bilazora et Stoby qui sont un stock important. Donc j'ai plus besoin de moutons au nord normalement. Qui m'envoie. J'ai combien de transferts? Plus 15 par semaine qui vient d'ici. Ok, je consomme combien là? 14. Voilà, je peux peut-être envoyer les moutons que j'ai là, un petit stock de moutons qui font 325. Allez. Allez, ici. Bon, faut que je m'arrête. Je vais m'arrêter.
La prochaine vidéo hein, dans la semaine aussi, toujours. Hein. J'essaye de faire un ou deux épisodes par semaine. En tout cas, vous remercie de regarder mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.